Lisbonne est depuis toujours une ville d'images. Elle a illustré ses voyages, ses conquêtes, mais aussi sa poésie qui évolue avec la grande histoire. Je rencontre ici l'écrivain Philippa Mello, fille de professeur de français, amoureuse de la culture, qui m'emmène dans un endroit très symbolique de Lisbonne. Ce monument, il représente Adamastor. Adamastor, c'est un personnage du plus grand poème épique portugais écrit par Luís de Camões. Et il représente la peur et l'inconnu que les Portugais ont dû vaincre pour arriver à des terres lointaines et conquérir son empire. Donc c'est Camões, donc les peurs de Camões, mais aussi c'est les peurs de Pessoa. Oui, Pessoa, il reprend Adamastor dans son œuvre majeure, Le Message, en le nommant Mostrengo, une espèce de monstre. Mais l'empire territorial qui était l'empire de Camões, pour Pessoa, c'est l'empire spirituel. Alors ça change presque tout. C'est un message futuriste qu'il faut écouter aussi pour faire face à l'avenir. Et quelles sont aujourd'hui les peurs du Portugal? Est-ce que le Portugal a peur d'être trop petit dans un monde trop grand? Non, je trouve qu'on est encerclé et j'ai choisi cet endroit-là aussi à cause de ça. Ici, on est tout près de Bairro Alto et de Chiado, c'est le cœur de la ville ancienne. Mais on vit toujours encerclé par le passé et ça pour nous c'est peut-être une condamnation, même si c'est l'atout le plus charmant pour les touristes. Il faut qu'on sort les sentiers battus de fado, de saudade, pour faire face à l'inconnu. Et l'inconnu, c'est notre place à l'Europe et tout ça. Et ça n'existe plus, le saudade, cette espèce de sentiment de nostalgie, de tristesse propre au Portugal? Alors, on continue à le sentir. Peut-être d'une façon différente que d'autres peuples, mais on n'est pas seulement ça. Et le Portugal, c'est aussi l'ouverture, le Tage et l'ouverture vers le monde. Oui. D'ici, on regarde le Tage. Mais si vous venez ici la nuit, ça sera plein de jeunes, de toutes les races, de toutes les cultures. Et alors, on regarde le Tage, mais on discute aussi l'avenir. Alors, c'est les deux rythmes du Portugal d'aujourd'hui.